pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos et ce dont l'Europe avait besoin. Mais allez plutôt demander au président Poutine ce qu'il est prêt à ne pas faire. Qui a lancé la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire ? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous. French President Emmanuel Macron says that sending NATO troops, boots on the ground, is not something that should be removed from the table. We must do everything we can to stop Vladimir Putin. So this is a top G7 leader saying he's considering sending military troops on the ground into Ukraine. Would this be France leading the way and going first? Would he try to convince all NATO nations to send a coalition? Or is this Macron trying to sound tough on TV? I would characterize him as an unserious player in all of this. First of all, you've got to understand that he's got nothing to send. The French army is a very light force designed for employment in North Africa. As a friend of mine who's retired from the French army likes to say, the French army is designed for safari in Africa. The British army is even smaller, less capable, and could probably go to Belize and provide emergency relief or put down riots in Belfast, and that's about it. Europe has no forces to speak of. The one single powerful, potent force that Europe had was the German army. And the German army has been almost completely dismantled. It'll take years to recover from the damage done to it over the last 20, 25 years. And then finally, that leaves us. We just cut 24,000 spaces out of the regular army because we couldn't recruit. So we've just cut them. They're now talking as they have in the past. The generals do this repeatedly over time. They never change the force. They never alter it. They never adapt it. They never reorganize fundamentally. What they do is they strip it out. So instead of having three battalions in an organization, you go to two. Or instead of four companies inside of an organization, you go to three. In other words, they hollow out the force. To be blunt, NATO is holding a very weak hand and is bluffing. And we're a big part of that because we talk a great game, but we don't have anything to send. That's what you call in poker a dead man's hand. The Russians have a very strong hand. They are not bluffing. And they have not threatened. But what they have done is make very clear that if we attack them, if NATO attacks Russia in any way, shape, or form, then NATO will be at war with Russia. Now, very recently, within the last 24 hours, there are reports coming out that more mobile, long-range ballistic missiles with nuclear warheads have been moved further west, north and west of Belarus, and also to other areas closer to the west. So I think everything has been done that could possibly be done by Moscow to signal they're quite serious. We have never been serious. If we were serious, we wouldn't need a proxy war, would we? We're not serious. So we built our military capability on the backs of the Ukrainian people. That's over. Ukraine is destroyed as a nation. You have this illegitimate, corrupt, and criminal organization in Kiev that calls itself the Ukrainian government. They won't last. Whether they'll be removed by their own or end up being pushed out by the Russians, I don't know. But they're done. And all that is left to be done now from the Russian side is to retake Kharkov, which they will.
and then they'll retake control of Odessa, which are historically Russian. La question qui se pose, c'est que quelqu'un veut nous entraîner dans la guerre. Quel autre peuple européen est d'accord avec ça? Il n'y a aucun consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Il nous entraîne vers des dérives et vers la guerre. C'est pas lui qui fera la guerre. Trois présidents aujourd'hui à l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit ce soir ses deux prédécesseurs pour évoquer la guerre en Ukraine. Le chef de l'État en visite hier à Prague a persisté sur le possible envoi de troupes occidentales en Ukraine, appelant les alliés de Kiev, je cite, à ne pas être lâches. Maïlène Trémollet, une réunion donc à l'Élysée, une semaine avant un vote au Parlement et à la veille d'une réunion avec les oppositions. Emmanuel Macron veut prendre la température à droite comme à gauche. Aujourd'hui, deux rendez-vous institutionnels sont prévus avec François Hollande à 17h, puis Nicolas Sarkozy à 18h. Le chef de l'État souhaite consulter un à un les deux anciens présidents, confronter leurs visions diamétralement opposées sur la conduite à tenir face à la Russie. Si François Hollande a appelé le mois dernier à faire plus pour aider l'Ukraine militairement parlant, à l'inverse, Nicolas Sarkozy avait déclenché la polémique en août dernier, déclarant que l'Ukraine devait rester neutre et souhaitant une issue diplomatique au conflit. Une position encore d'actualité selon ses proches qui rappelle que l'ancien président souhaite toujours privilégier le dialogue. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on invoque l'unité de la nation et on appelle à dépasser les soubresauts de la vie politique. Reste que les récents propos du chef de l'État sur un potentiel envoi de troupes au sol en Ukraine font bondir les oppositions qui sont attendues à l'Élysée dès demain pour une nouvelle rencontre à huis clos. Maïlène Trémollet. Ce mardi, Emmanuel Macron était à Prague en République tchèque pour soutenir l'initiative de son homologue Petr Pavel d'acheter 800 000 obus hors de l'Union européenne afin de les envoyer à l'Ukraine. En d'autres termes, non seulement les caisses des nations européennes servent à payer des armes pour une guerre fratricide qui aurait dû être évitée, mais en plus, elles font tourner l'industrie de l'armement non européenne, soit américaine. Une belle performance. Prague aurait également été l'occasion pour Emmanuel Macron d'en remettre une louche sur le rôle à tenir des Européens dans ce conflit. Les traits tirés, l'œil noir, la mèche coiffée avec les pattes du réveil, le président français a donc poursuivi sur sa lancée, celle de ses déclarations belliqueuses et inconséquentes de la semaine dernière. Le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. Ne pas exclure l'envoi de troupes au sol a valu à Emmanuel Macron une volée de bois vert de la part de la très grande majorité de ses partenaires européens, mais aussi de Washington. Mais le président français n'a pas coutume de faire amende honorable, même quand il fait ni plus ni moins une sortie de piste, comme le considérait Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours. La politique étrangère de la France est faite de dérapages incontrôlés, d'annonces fantasques, comme ouvrir le parapluie nucléaire sur toute l'Europe. Un dérapage incontrôlé qu'un communicant de la majorité aura ensuite l'audace de renommer « ambiguïté stratégique », un concept théorisé dans l'art de la guerre du célèbre général chinois Sun Tzu, qui se marie assez mal avec la diplomatie française depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron et Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères qui a beaucoup voyagé. À ce rhabillage se sont ajoutés les récents propos présidentiels expliquant qu'il refusait, je cite, « d'entrer dans une logique d'escalade », alors même que ses déclarations de la semaine dernière ont jeté de l'huile sur le feu international. Un en même temps surréaliste qui a de quoi laisser perplexe. Mais on le sait, l'exécutif ose tout. Et c'est même à cela qu'on le reconnaît, à plus forte raison qu'il faut compter sur un allié indéfectible en France, les médias. Le manque de raison, la façon dont ça a été dit comme ça, engager la France sur un sujet aussi grave que la guerre, sans en avoir débattu au Parlement, évidemment, sans en avoir parlé aux Français, dans le contexte actuel, est quelque chose qui est particulièrement inquiétant. Il annonce la possibilité, l'éventualité, la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, dans une zone de guerre où il y a déjà des soldats, je pense même français, en tout cas de l'OTAN, qui sont sur place pour différentes opérations. Le Financial Times l'a encore rappelé l'autre jour. Mais aller de manière aussi concrète, dire on est prêt à, on veut tellement faire du mal à la Russie qu'on est prêt à mettre des hommes, à sacrifier nos jeunes, sortir cette phrase-là est quelque chose de particulièrement inquiétant parce que pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Quels sont les intérêts de la France en Ukraine aujourd'hui?
Aujourd'hui, n'oublions pas, la racine de cette guerre, quelle est-elle? C'est extrêmement important de le rappeler régulièrement. Les États-Unis ne veulent pas que la Russie et l'Europe de l'Ouest, pas forcément s'unissent, mais collaborent, travaillent ensemble. Parce que si l'Europe de l'Ouest et la Russie qui est une grande puissance, on voit même technologique, militaire, une grande puissance, qui a des ressources naturelles à foison énormément, on pourrait mieux travailler ensemble. Et si on travaille mieux ensemble entre l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, la Russie, eh bien, sur ce continent, qui a une civilisation commune, qui a une histoire commune, nous connaissons bien, nous n'aurions plus besoin des États-Unis, ou moins besoin des États-Unis. Et les Américains ont peur de ça. Pour eux, en tout cas pour ceux qui sont au pouvoir depuis ces dernières générations, nous sommes un protectorat. C'est ce que dit Zbigniew Brzezinski dans le Grand Échiquier. Nous sommes un territoire qui est de consommateurs prêts à acheter du matériel informatique, des idées, des vidéos, des films américains. Notre société est en train de s'américaniser au profit de grandes multinationales américaines et, on va dire, des politiques américains qui sont dans leur projet de mondialisation. Ça, c'est l'origine de cette guerre contre la Russie. Et on suit aveuglément la politique américaine. Donc Emmanuel Macron ne fait que répéter ce que dit Joe Biden. Il n'y a plus de diplomatie à partir du moment où un État soumet sa souveraineté à un autre État. L'intelligence de la France ou l'intelligence de n'importe quel pays européen est d'abord de chercher la paix. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une guerre, parce que cette guerre, en effet, si elle dérape, elle va happer, elle va tuer nos propres enfants. Elle est déjà en train de faire beaucoup de mal à nos économies, elle va faire du mal à nos peuples. Et qu'est-ce qui restera de l'Europe après, si on retourne dans une guerre mondiale qui a déjà fait beaucoup de mal? Enfin, la première et la deuxième ont déjà fait beaucoup de mal. La troisième sera terrible pour nous. Ce n'est pas notre intérêt. La diplomatie française, l'intelligence, c'était de discuter directement avec Poutine, c'était discuter avec Zelensky, c'était de faire une coalition, on peut dire mondiale, pas forcément européenne, pour essayer de revenir à la paix. On sait qu'il y a eu des discours entre Ukrainiens et Russes au tout début de l'invasion russe en 2022. Qui a organisé ces négociations? Les Turcs. Les Turcs, et ils ont très bien fait, et on doit les féliciter. Pas un peuple européen a cherché à faire la paix entre deux peuples slaves, frères, majoritairement orthodoxes. C'est une honte. Donc, on a sabordé notre diplomatie, mais Emmanuel Macron n'arrête pas de la saborder, parce que c'est un atlantiste. Et comme tous les atlantistes qui sont aujourd'hui à la tête de pays de l'Union européenne, ils pensent que c'est les Américains qui doivent gouverner les choses du monde. C'est la servitude volontaire de la Boétie appliquée à des États. Et donc, évidemment, cela se fait, in fine, toujours à notre détriment. President Macron's words, I mean, he certainly has every right and ability to speak for himself and his views. All I can do is speak for President Biden, Commander-in-Chief. And the President has been clear. We have been extraordinarily strong in leading international efforts to support Ukraine for the last 2 years. We need Congress to help right now pass that supplemental so we can continue that strong leadership and support. A coalition of more than 50 nations that the United States put together to support Ukraine. He's also been very clear since the very beginning of this war. There's not going to be U.S. troops on the ground fighting inside Ukraine. And you know what? President Zelensky isn't asking for that. He's just asking for the tools and capabilities. He's never asked for foreign troops to fight for his country. He and his troops want to do that, but they need the tools. En visite ce mardi dans la capitale tchèque, Emmanuel Macron a appelé les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches. Tout en assumant ses propos sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol, ces propos lui avaient valu un tollé en Europe il y a quelques jours. Lors d'une conférence de presse au château de Prague, lui et son homologue tchèque ont réitéré leur soutien à Kiev. C'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucides sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Ukrajina, přestože napadená, je stále suverénní zemí a i kdyby na jejím území fungovala nějaká výcviková mise, tak to není porušením naprosto žádného mezinárodního pravidla. A je to jenom na nás, jakou formu asistence Ukrajině zvolíme. Pokud zůstaneme v rámci toho limitu nebojového angažmá. Alors que les combats se poursuivent entre les troupes ukrainiennes et russes sur le front, la Cour pénale internationale de La Haye vient d'émettre des mandats d'arrêt à l'encontre de deux officiers militaires russes. Tous deux sont présumés responsables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette nouvelle dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.
On ne veut pas voir la réalité du monde, la tectonique géopolitique du monde qui a complètement évolué aujourd'hui. On est dans une bascule, mais on parle de la bascule depuis 2 ans, mais ça fait déjà 10 ans qu'elle est en cours. Donc on est là à un point où il faudrait justement s'intéresser au réel plus que jamais, et donc sortir de tout un tas d'idéologies, à mon avis, et d'utopies surtout, qui nous empêchent de nous connecter à la réalité et d'en tirer profit. Ben, concrètement, voir le monde tel qu'il est. Oui, mais qu'est-ce que c'est sortir des utopies ou de ce qui nous empêche de voir le monde tel qu'il est ? Sortir de l'utopie, déjà, selon laquelle la puissance collective vient de l'effacement des souverainetés. Si vous regardez le monde, à part l'Europe, je dirais que le reste du monde, sur tous les continents, est dans une renaissance souveraine, des souverainetés, des nations, donc des politiques de puissance, d'influence, pas forcément sous un angle comme avant d'une bipolarité ou d'une unipolarité, mais chaque État maintenant, il y a une désinhibition. En Europe, non, on n'y arrive pas, en fait. Comment ça, le mot souveraineté, par exemple, dans le discours de politique générale de Gabriel Attal il y a 8 jours, oui. Il a été prononcé un nombre incalculable de fois. Oui, mais voilà. Wishful thinking. Il ne suffit pas de prononcer les mots. Oui. Alors que le scandale des écoutes de l'armée allemande par la Russie ne faiblit pas, Berlin tente de se justifier. Les fuites de cette conversation top secrète seraient dues, selon le gouvernement, à une erreur individuelle. C'est ce qu'a expliqué le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors d'une conférence de presse. Der Grund, dass das Telefonat in den Reihen der Luftwaffe trotzdem mitgeschnitten werden konnte, geht auf einen individuellen Anwendungsfehler zurück. Nicht alle Teilnehmer haben sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten, so wie es vorgeschrieben ist. Nach aktuellem Kenntnisstand ist es bei dem Teilnehmer in Singapur zum Datenabfluss gekommen. Er war über eine nicht autorisierte Verbindung, also dann damit quasi über eine offene Verbindung dazugeschaltet. Ce scandale a relancé le débat sur la livraison par Berlin de missiles Taurus à l'Ukraine et montre un Olaf Scholz isolé face à une partie de son gouvernement. Lors d'une visite au Monténégro, la ministre allemande de la Défense a estimé que tous les moyens pour aider Kiev devaient être examinés. Malgré les demandes incessantes de l'Ukraine, le chancelier allemand refuse de livrer ses armes, par crainte que ces missiles longue portée n'entraînent une escalade du conflit avec Moscou. Les fuites ont déjà créé un regain de tension entre l'Allemagne et la Russie. Donc la question est la suivante. Pourquoi la Russie s'est engagée en Ukraine ? Elle ne s'est pas engagée pour lutter contre l'OTAN. Ce n'est pas tout à fait exact. Elle s'est engagée parce qu'il y avait une menace sur les populations russes du Donbass. Et cette menace, elle a été, c'est pas simplement une affaire imaginaire, elle est issue d'un décret qui a été émis en mars 2021 par le président Zelensky pour la reconquête de la Crimée et des deux républiques du Donbass. Et entre mars 2021... Oui, vous restituez véritablement les faits, parce que dans le discours d'entrée de Vladimir Poutine, il le dit si bien, il faut mettre fin au génocide des populations russes des régions du Donbass qui dure depuis 8 ans déjà. Voilà, c'est ça le point central. Et la mission de démilitarisation et de dénazification ne concernait pas l'ensemble de l'Ukraine, mais la menace qui pesait sur les troupes du Donbass, sur les populations du Donbass. À partir de ce moment-là, l'Occident commence à alimenter l'Ukraine en armes, et on a jusqu'en novembre 2022, on a des vieux matériels de l'ex-Union soviétique qui étaient stockés en Europe de l'Est, qui ont été distribués à l'armée ukrainienne. Ces matériels ont été détruits, comme je l'ai dit, grosso modo, entre septembre et novembre 2022. Et à partir de ce moment-là, l'Occident a commencé alors à piocher dans ses stocks pour fournir des armements plus modernes à l'Ukraine, ce qu'ils ont fait dans le courant 2023. Et aujourd'hui, on peut dire qu'une grande partie, et notamment
au début jusqu'à la contre-offensive de l'été 2023, on peut dire que ces matériels ont été fournis et ont été en grande partie détruits par l'armée russe. Donc on peut dire que la démilitarisation de l'armée ukrainienne s'est faite en trois temps et à chaque fois, elle s'est soldée par un succès russe. En mars 2022, lorsque le président Zelensky a fait une proposition à Vladimir Poutine, une proposition de résolution du conflit, dans cette résolution qu'il a transmise, c'était mi-mars 2022, dans ce projet, il y avait le retrait des forces russes de l'Ukraine. Et la Russie était prête à retirer ses troupes, mais évidemment, elle avait déjà pris une partie importante, environ 20% du territoire ukrainien. Donc, elle a cherché à monnayer son retrait, en quelque sorte. Et la monnaie, l'échange ou la contrepartie de son retrait de l'Ukraine était la neutralisation de l'Ukraine, ce que Vladimir Zelensky lui-même a proposé donc à Vladimir Poutine en mars 2022. C'est à ce moment-là, fin mars 2022, que les Occidentaux sont intervenus et ont demandé à Zelensky de retirer sa proposition en échange d'un soutien jusque tant qu'il faudra par les Occidentaux. Produire plus, mieux, ensemble et européen. C'est le projet de la première stratégie industrielle de défense proposée mardi par la Commission européenne. L'objectif est de fournir une vision politique à long terme pour développer dans les meilleurs délais les capacités industrielles du secteur militaire et passer ainsi d'une situation de réponse d'urgence à une situation de préparation de conflits provoquée par la guerre en Ukraine. L'institution suggère des achats conjoints d'équipements entre les États membres pour réduire les coûts et harmoniser les équipements et les systèmes de défense. We propose to achieve the goal by 2030 to procure 40% of equipment in a collaborative manner and to procure 50% of equipment within the European Union. La Commission propose aussi un programme pour l'industrie de la défense avec un fonds d'1,5 milliard d'euros sur 2 ans. Il s'agit de faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises qui participent à l'élaboration d'équipements militaires. Il fournit aussi un cadre pour lancer des projets communs de défense ou pour réagir en cas de crise future d'approvisionnement. L'institution veut que l'Union soit en capacité de répondre à un conflit à haute intensité. Mais certains analystes tempèrent l'ambition affichée. Clairement, si la question est, sommes-nous dans une économie de guerre avec ce programme, avec cette stratégie? Clairement, non, nous n'y sommes pas encore. Mais c'est un premier pas qui est nécessaire pour, je dirais, amener tout doucement les États à se rendre compte qu'une démarche européenne en la matière est nécessaire, voire même indispensable. Ce premier pas apparaît financièrement moins ambitieux que ce que les discussions laissaient entendre ces derniers mois. Pour dégager des moyens supplémentaires, la Commission n'exclut pas la possibilité d'utiliser les bénéfices exceptionnels tirés des avoirs russes gelés pour financer les capacités industrielles de défense de l'Union. Mais pour cela, il faudra l'accord à l'unanimité des 27 États membres. Il ne s'agit plus d'Emmanuel Macron ni de ses postures de petit chef viril. Il ne s'agit même plus de la France, ni de son affaiblissement par des élites aveugles et irresponsables. Il s'agit de savoir si nous allons collectivement accepter de marcher comme des somnambules jusqu'à la guerre. Une guerre dont nul ne peut prétendre qu'elle sera maîtrisée ou contenue. Il s'agit de savoir si nous acceptons d'envoyer nos enfants mourir parce que les États-Unis ont voulu à toute force implanter des bases aux frontières de la Russie. On envisage d'envoyer des troupes occidentales au sol, comme vient de le faire Emmanuel Macron, pour jouer les cow-boys au moment où les États-Unis semblent abandonner la place de la grande gueule en chef, quand on livre des missiles longue portée dont la cible ne peut être que Moscou. Il faut, si l'on est encore en démocratie, dire clairement aux citoyens ce que cela signifie. En Europe et aux États-Unis, la petite musique de la guerre est en train de s'imposer.
en Pologne ou en Estonie, les leçons de l'histoire expliquent un bellicisme dont l'ampleur est largement passée sous silence en Europe de l'Ouest. En Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, les dirigeants politiques ne se contentent pas de dire qu'il faut être suffisamment armé pour parer à toute éventualité. Ce qui est une évidence que ces mêmes dirigeants avaient oublié depuis que plus personne en Europe ne lit Jules César. En fait, ils habituent les opinions à l'idée d'une guerre à la fois inévitable et acceptable. Et partout, les relais du courant néoconservateur américain hystérisent les foules et lancent la traque aux agents de l'étranger. Les historiens qui, dans un siècle, se pencheront sur cette période seront effarés de constater que les délires va-t-en-guerre de 1914 ont été surpassés. Car nous sommes bien à la veille de 1914 et non pas en 1939 comme essaient de nous le faire croire les propagandistes. Et le courage, en 1914, il était du côté de Jaurès, qui tenta d'empêcher la catastrophe et le paya de sa vie. Le plus abject est sans doute que ce sont les mêmes qui, depuis 30 ans, ont désarmé l'Europe en défendant un libre-échange qui détruisait toutes nos forces productives et nous rendait dépendants en matière d'énergie, d'alimentation, dans le domaine du numérique et dans le domaine de la défense. Il ne fallait pas critiquer cette Europe de la dérégulation et de la concurrence généralisée. La division mondiale du travail, c'était génial. Et puis la guerre avait disparu, c'était mal. On allait faire du commerce parce que l'Europe, c'était la paix. On se contenterait d'intervenir ailleurs dans le monde pour exporter notre modèle de démocratie et les intérêts économiques américains. Aujourd'hui, sans la moindre vergogne, les mêmes nous explique qu'il faut armer l'Europe, entrer en économie de guerre, parce que les États-Unis, si Donald Trump était élu, risqueraient de se désengager. Un Raphaël Glucksmann, incarnation de ce néoconservatisme nouvelle version, parle d'architecture de sécurité en Europe. Ce terme qui désignait la tentative par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel d'arrimer la Russie à l'Europe pour empêcher la montée des tensions. Tentative torpillée par les États-Unis. Mais comme dans un roman de George Orwell, la sécurité désigne désormais la guerre et l'Europe un supplétif des États-Unis. Le New York Times, le 25 février, a publié une enquête passionnante décrivant comment, depuis 2014, la CIA a implanté 12 bases secrètes en Ukraine et formé les services ukrainiens pour espionner à grande échelle la Russie. On y apprend que les Ukrainiens ont plusieurs fois dépassé les lignes rouges fixées par leurs interlocuteurs et organisé des exécutions ciblées contre des leaders russes ou séparatistes. On y apprend que ces personnels américains n'ont évidemment pas été évacués au commencement de la guerre, mais officient en territoire ukrainien et que s'ils n'appuient pas sur la gâchette, nous dit l'article, ils ajustent le tir. On le savait bien sûr. On se souvient du sommet de l'OTAN en 2008 dans lequel les Américains, contre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, voulaient à toute force intégrer la Géorgie et l'Ukraine pour acculer la Russie dans ses frontières. On se souvient du documentaire de Paul Moreira sur Maïdan qui montrait cette réunion à Kiev en 2016 dans laquelle le patron de la CIA expliquait que là se situait la ligne de front. Mais il ne fallait pas le dire. On était un complotiste, un suppôt de Poutine. Aujourd'hui, le New York Times l'écrit parce qu'il s'agit de convaincre les Américains que, contrairement à ce que disent les élus républicains qui refusent de voter les crédits, cette guerre est bien la leur. À l'inverse de ce qu'il soutenait en 2022, Emmanuel Macron semble ne plus vouloir pousser à des négociations. Les néoconservateurs américains et européens ne veulent pas d'une paix négociée. Pour l'instant, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et après ? Concrètement, où est-ce qu'ils veulent nous mener ? Au moment où l'Occident démontre au reste du monde, avec un cynisme irresponsable, que le droit international n'est qu'un outil de domination à géométrie variable, au risque de détruire toute forme de régulation internationale, les délires va-t-en-guerre sont tout simplement criminels. Kélachine. Qu'est-ce qu'il faut penser quand même de la récente déclaration ? C'était le 29 février de Vladimir Poutine, discours à la nation. « Notre patrie défend sa souveraineté et défend ses citoyens de la Novorussia, la nouvelle Russie. » La presse française y voit un concept géopolitique impérial, impérialiste. Alors, oui, certainement. Il y a un côté, je pense, impérial, puisque ce sont les termes employés par Catherine II qui avait récupéré ces territoires, non pas sur d'autres Slaves, non pas sur les Ukrainiens, mais sur les Tatars.
les avait récupérés sur les Tatars et qui a développé. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire de la région. Et ça, malheureusement, on ne le fait plus à l'école, les médias dominants ne le font pas. Toute cette région qui a été prise aux Tatars a été ensuite occupée, développée par des Russes. Donc des villes comme qui s'appelle Dnipro aujourd'hui, qui est une ville qui est tenue par l'armée ukrainienne, elle s'appelait à l'origine Yekaterinoslav, en l'honneur de Catherine II. Odessa a été construite par des Russes. Donetsk, Lugansk, Kramatorsk, c'est des villes qui ont été construites par les Russes. Historiquement, elles ont des racines russes, qu'on le veuille ou pas. Elles se trouvent peut-être en Ukraine, elles se sont retrouvées à un moment par les vicissitudes de l'histoire et pas par des arrangements entre soviétiques d'abord et puis après à l'éclatement de ce pays. Mais ce sont des pays où des personnes ont une identité russe. Et je pense que le message... Alors, évidemment, on aurait pu espérer qu'on évite la guerre, que ces personnes gardent leur identité russe. Mais n'oublions pas qu'après le coup d'État du Maïdan, l'arrivée des États-Unis, ils ont mis en place un pouvoir qui était radicalement anti-russe, avec des militants qui promettaient d'interdire la langue russe, qui ne faisait pas respecter les droits de l'homme qu'on aime bien faire respecter partout, à cette population russophone qui est nombreuse en Ukraine. Et n'oublions pas que la langue russe était, jusqu'à il y a encore quelques années, vraiment la lingua franca de l'Ukraine. Donc ces personnes ont eu peur. Sur place, vous avez des personnes qui sont très attachées à la région, qui peuvent même se dire ukrainiennes, mais qui veulent être plus, qui se sentent plus proches de la Russie parce qu'elles ont une histoire, une culture. Elles parlent russe, elles lisent le russe. Et voir en face un pouvoir qui déboulonne des statues de Pouchkine, qui veut interdire Tchaïkovski, c'est ridicule. Donc quand il emploie ce terme-là, je pense qu'il y a un message qui est important, c'est que la Novorossiya, c'est plus important que les territoires que la Russie a récupéré aujourd'hui. Ça va aller quasiment jusqu'à la Transnistrie. Ça va aller jusqu'à cette fameuse Dnipropetrovsk à l'époque de l'URSS. Donc ça veut dire qu'il part de cette zone russophone, russe. Et ça veut dire aussi, c'est un message pour dire qu'il va aller au-delà des territoires qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il veut, pour des personnes majoritaires, je pense, dans ces régions, elles se sentent plus proches de la Russie, en tout cas de Moscou, que de la Kiev, de Zelensky. Eh ben, il faut se reconnecter immédiatement à ce qui se passe sur le terrain des conflits dans lesquels nous sommes engagés et à voir dans quelle mesure on doit revenir à des modes anciens, mais qui ont fait leurs preuves. La paix ? Non, au contraire, mais c'est exactement l'inverse. D'accord. C'est exactement l'inverse. Mode ancien, c'est les rentables. Pour ça que j'ai créé Paix et Guerre, j'ai mis l'accent sur la paix. Oui. Il est urgent de retrouver la nécessité. Il y a une nécessité du dialogue, il y a une nécessité de la considération. Et je ne parle pas seulement de l'Europe. L'Afrique, c'est la même chose. L'Amérique latine, c'est la même chose. Il faut repartir du fait que le monde est maintenant revenu en fait à un stade auquel l'Occident n'était plus habitué. On a perdu l'habitude d'avoir des counterparts, d'avoir des homologues. Donc ce monde est plus dangereux, il y a moins de garde-fous, c'est un peu l'expression que vous évoquiez. Il est plus dangereux, il est plus dispersé. Alors, moi je dis toujours... Au sens où les puissances... On voit très bien, à travers toutes les nouvelles notions de type sud-global, on voit très bien que des pays, y compris des pays assez petits à l'échelle planétaire, ont désormais une diplomatie qui est agressive et qui est carrément expansionniste. Donc, alors, agressive, expansionniste, mais surtout, ils ont le choix. Et c'est ça, c'est ce risque-là qu'on doit bien mesurer. C'est que désormais, il y a des modèles concurrents de puissance. Ils peuvent nous déplaire, ils peuvent ne pas correspondre à ce qu'on souhaitait, ils peuvent nous agacer parce que justement cette idée d'hégémonie à la fois bien sûr économique, financière, mais aussi dite morale, s'est abîmée dans des inconséquences et s'est abîmée aussi par le fait qu'en face il y a d'autres discours qui sont portés et qui sont offerts, en fait, à tous ces pays, y compris petits, qui donc peuvent se désinhiber, qui donc peuvent faire leur marché sur la place mondiale, si j'ose dire. Et moi, je dis toujours, il n'y a plus de menu maintenant, c'est à la carte.
On cache souvent des guerres prédatrices pour le pétrole, le gaz ou les territoires derrière des arguments moraux. Donc nous avons voulu montrer que tout ça nous coupe de toute une partie du monde et que c'est extrêmement problématique. Donc c'est pas être du côté de l'ennemi. Maintenant, on est accusé d'être pro-poutinien ou pro-islamiste ou pro-Erdogan si on a un peu dénoncé l'occidentalisme. Mais c'est ce qui va tuer l'Occident. L'Occident, quand il sera encore plus rétréci, encore plus vieux, encore plus petit démographiquement, n'oublions pas qu'on vous tombe dessus quand vous êtes affaibli. L'être humain est animal. Quand l'Occident sera beaucoup plus faible, la rancune accumulée par de nombreuses civilisations va s'abattre sur l'Occident. Il faut absolument déjouer cela. Comment ? Un petit peu ce que veut faire Mélanie en Afrique, vous savez, le pacte Mattei, le plan Mattei, avoir des rapports nouveaux avec les autres civilisations et les autres nations et rompre totalement avec tout colonialisme, tout néocolonialisme, tout impérialisme et même tout moralisme qui ne soit pas nécessaire pour l'intérêt national. L'erreur de l'Occident, ce n'est pas la mondialisation. Ce qui dérange la Chine, la Russie, la Turquie, l'Indonésie, ce n'est pas la mondialisation, c'est la mondialisation occidentale qui est traduite à tort comme un mondialisme. C'est-à-dire l'idée de faire croire que comme il y a des échanges et que l'Occident fait partie des civilisations, c'est peut-être la civilisation qui a le plus œuvré à cette troisième phase de la mondialisation, il y en a eu d'autres depuis le Moyen-Âge, mais cette phase moderne de la mondialisation, donc en gros, Huntington avait parlé des trois vagues bien avant le choc des civilisations, il avait analysé en tant que professeur à Harvard les trois grandes vagues de mondialisation. Ça, c'est la mondialisation anglo-saxonne devenue occidentale, qui a échappé aux Américains, qui maintenant est une mondialisation essentiellement chinoise et après-demain indienne. Mais la confusion entre la mondialisation qui est neutre, qui est un phénomène d'échange, de technologie, de transport, de route commerciale, comme la route de la soie jadis, elle est neutre, elle n'implique absolument pas un mondialisme. La vision selon laquelle être globalisé voudrait dire avoir un gouvernement mondial, détruire les frontières, culpabiliser le patriotisme, voire la nation, c'est une erreur qui est suicidaire pour nous, puisque nous abaissons les gardes, mais les autres civilisations ne l'entendent pas du tout comme ça. La Chine, elle a pris le relais de la mondialisation occidentale que les imbéciles qui nous gouvernent ont cru pouvoir maîtriser en délocalisant massivement. Quand vous délocalisez toute votre industrie en Chine, la Chine qui a inventé la boussole, qui n'est pas une civilisation de plouc, contrairement à ce que l'on a cru. On a cru qu'on pouvait délocaliser chez eux toute notre industrie, mais garder le contrôle d'une globalisation qui nous a forcément échappé. La Chine comme l'Inde veulent être autonomes. Ils veulent bien produire pour nos sociétés, mais aussi produire leur société. Et ils ne considèrent pas la mondialisation comme la preuve qu'il faut être mondialiste. Vous voyez la distinction entre mondialisation et mondialisme. Au contraire, ils voient la mondialisation et le fait de la récupérer comme un moyen d'exister, d'augmenter leur profondeur stratégique, de se projeter. Et en fait, eux, ils voient la mondialisation comme un champ de concurrence. Coopération, mais aussi concurrence, alors que nous, nous voyons dans la mondialisation un abandon de notre industrie, une délocalisation générale. Oui, Damien, on l'a beaucoup dit de ce scrutin. Effectivement, Joe Biden sera le candidat démocrate de cette présidentielle, malgré sa défaite dans les Samoa, où il faut préciser quand même qu'il n'y avait à peine une centaine d'électeurs. Et Donald Trump, solidement juché sur son inaltérable base électorale, est devenu, disons-le, le parti républicain à lui tout seul. Exit Liz Cheney, la rebelle, exit Ron DeSantis, l'héritier plus royaliste que le roi, et même si il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, exit Nikki Haley, en tout cas en tant qu'alternative possible au commandeur des croyants en une Amérique great again, pour reprendre le slogan fameux de Donald Trump. Maintenant, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas déduire quelques enseignements de cette primaire qui reste une formidable consultation à l'échelle nationale aux États-Unis. Or, en dehors du scrutin lui-même, celui du 5 novembre, les occasions de sonder le cœur des partis ne sont finalement pas si fréquentes. En réalité, ces primaires nous disent des choses que l'élection elle-même n'explorera pas. Les Américains et les Américaines qui ont voté ce mardi ne sont pas que des électeurs, ce sont des militants, et cela est vrai pour les démocrates comme pour les républicains. Les quelques milliers d'Américains qui vont faire la campagne de Joe Biden et la campagne de Donald Trump en relayant des messages sur les réseaux sociaux, en faisant du porte-à-porte essentiel, en organisant des comités de soutien jusqu'aux plus perdus des villages,
village de l'Arkansas, ce sont eux qui ont voté pour ces primaires. Et donc, quand Joe Biden réalise que sa politique au Moyen-Orient démobilise la jeunesse démocrate, lui fait perdre le soutien de la communauté musulmane américaine, ses conseillers enregistrent cela comme une information. Et c'est essentiel. Si Joe Biden ne prend pas un virage rapide dans sa politique au Moyen-Orient, par exemple, ou au moins dans sa communication sur le sujet, il risque de le payer de manière décuplée et comptant dans les urnes dans huit mois. Ensuite, si on veut rapidement explorer les enseignements du côté républicain, il s'est quand même passé quelque chose dans deux États intéressants. Le Massachusetts et le Vermont, vous avez nommé à l'instant, le Vermont qui sera certainement la principale victoire de Nikki Haley et peut-être l'État sur lequel elle se reposera pour se reconstruire ou pour construire un avenir politique, puisque jusqu'à présent, la candidate n'avait gagné que dans le district de Columbia, c'est-à-dire une victoire qu'elle a finalement repris en boomerang dans la figure, puisque les républicains de la capitale ne reprennent finalement qu'eux-mêmes. Mathieu, Donald Trump donc est bien parti, au moins pour être le candidat républicain à cette élection présidentielle. Mais le Trump de 2024, ce n'est pas celui de 2020, et son électorat non plus, lui aussi, a changé. Non, effectivement, et on le disait à l'instant, même si ce Super Tuesday est sans surprise, il nous donne des informations politiques et sociologiques, cette fois sur les électeurs républicains, que les démocrates seraient fous de ne pas prendre au sérieux. Dans toutes les strates de la société où l'on trouve des électeurs républicains, Donald Trump progresse. Il est en tête devant sa rivale dans les villes, dans les campagnes, dans les classes moyennes et dans les classes populaires, chez les jeunes et chez les vieux, et ça, c'est nouveau, c'est réellement nouveau. La perception que l'on a pu avoir de Donald Trump en 2016, quand votre côté de l'Atlantique s'est réveillé un peu sidéré de le voir élu un matin de novembre, vous vous en souvenez évidemment, cette perception-là a vécu. Il n'est plus question de décrire le phénomène Trump comme l'expression des humeurs de cette Amérique oubliée, du Midwest ou du centre. Vous savez, c'est flyover states, comme on dit ici, ces États que l'on survole, mais où on n'atterrit réellement jamais. Donald Trump gagne partout ou presque. Le parti républicain de Ronald Reagan a vécu autant que celui de John McCain plus récemment. Donc voilà en substance ce que dit ce Super Tuesday à ceux qui ne l'avaient pas déjà compris. Voilà, et pour autant, Mathieu, la messe n'est pas complètement dite. Hein. Ces primaires, elles ne sont pas terminées. Non, alors c'est toute la question, mais est-ce qu'elle n'était pas terminée avant d'avoir commencé? C'est vraiment la question qui taraude ici les observateurs de la vie politique américaine. C'est vrai que quand Nikki Haley a presque égalé le score de Ron DeSantis en Iowa en janvier dernier, on a imaginé sincèrement un moment qu'elle pouvait amorcer quelque chose, fédérer les nostalgiques de Reagan, encore une fois, il en reste, et ceux qui auraient pu rêver d'un Trump plus jeune ou sous les traits d'une femme. Il n'a pas fallu attendre la Caroline du Sud où la candidate s'est faite, on le rappelle, proprement humiliée sur son propre terrain pour nous rendre compte que les électeurs républicains n'ont pas acheté ce projet. La droite américaine d'aujourd'hui préfère l'original à la copie. Plus ou moins la moitié de ce pays veut Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025. Et seule la dernière ligne droite avant le 5 novembre nous dira justement si c'est plus ou si c'est nuance apportée à ces victoires. Dans le cas de Joe Biden, il est apparu par exemple la menace du vote sans engagement, c'est-à-dire le vote blanc, un vote blanc en forme de vote de rejet sur la part de l'influente communauté musulmane aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est un signe inquiétant pour Joe Biden? Joe Biden a des problèmes avec sa base. La solution, enfin ce que font les États-Unis actuellement, en étant à la fois juge et belligérant aux côtés d'Israël, frustre une partie de la base qui est très à gauche de Joe Biden, les communautés musulmanes des États-Unis, mais aussi une partie des Américains qui sont très pro-palestiniens et qui traditionnellement voté démocrate sont très frustrés par ce que fait Joe Biden, qui à la fois veut trouver, qui dit officiellement qu'il veut deux États, mais qui veut la paix au Moyen-Orient, en tout cas dans la région entre Israéliens et Palestiniens, mais qui donne des armes aux Israéliens. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu par une partie de la base démocrate.
pour l'instant, il a un autre candidat qui est en face de lui, qui est un faire-valoir. Normalement, s'il continue comme ça, il ne peut pas perdre. On ne voit pas comment est-ce qu'il pourrait perdre les différents représentants dont il a besoin s'il arrive à aller jusqu'au bout l'été prochain pour être le prochain candidat. Mais on voit qu'il est attaqué. Il est attaqué par les Républicains, il est attaqué par Trump. Et là, maintenant, on voit qu'il y a des divisions au sein de son propre camp. Donc, il n'arrive pas fort, il arrive affaibli. D'autant plus que sa présidence est une mauvaise présidence. La situation américaine n'est pas bonne. Il y a une inflation qui a été terrible. Il y a eu la guerre en Russie, la guerre au Moyen-Orient. Il y a la situation, on va dire, les États-Unis qui perdent la face. Enfin, c'est quand même la Chine qui met les Saoudiens et les Iraniens autour de la table qui arrivent à trouver un accord. Donc la posture des États-Unis sur la scène internationale s'est affaissée, enfin s'est affaiblie. Et aux États-Unis, la situation économique n'est pas bonne. La situation des infrastructures n'est pas bonne non plus. Et en plus, Biden a une base qui le rejette, qui rejette ce qu'il fait et qui le démontre. Donc je pense que lui, il va vraiment falloir qu'il trouve des arguments très très forts pour motiver les Américains pour aller voter pour lui lors des prochaines élections, si c'est lui qui, s'il y arrive, parce que tout est possible aux États-Unis, quoi. S'il arrive à être le candidat. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, les gangs menacent de plonger Haïti dans la guerre civile. L'état d'urgence a été décrété. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à huis clos tout à l'heure. Oui, c'est un tsunami de violence qui s'est abattu sur Port-au-Prince jeudi dernier, quand Barbecue a lancé l'offensive contre l'État. Du temps où il était policier, il s'appelait Jimmy Chérizier. En Haïti, la police est parfois un gang parmi les autres. On en compte 300 qui rackettent les habitants et s'entretuent, qui terrorisent et paralysent la capitale. Chérizier a servi 15 ans en se servant. Et puis, il est devenu Barbecue, celui qui règne sur Delmas, un faubourg, et sur la famille G9, le plus puissant des groupes armés. Le Premier ministre par intérim s'appelle Ariel Henry. Il fait semblant de gouverner depuis que le président Moïse Jouvenel a été fusillé dans son lit par une bande de mercenaires. Jeudi dernier, le Premier ministre est parti pour le Kenya, le seul pays qui ait répondu à l'appel au secours de l'ONU pour déployer une force de police en Haïti. Barbecue n'aime pas la concurrence, il ne veut pas de 1000 policier kényan chez lui. Il a donc décrété la déchéance du Premier ministre. Et il a lancé ses troupes à l'assaut des bâtiments publics. Alors les commissariats ont été les premiers à partir en fumée, mais aussi les hôpitaux, les ministères, des bandes armées ont pris le contrôle de pans entiers du pays. Tout ce chaos préparait le véritable objectif, l'attaque du pénitencier central et de la prison de Croix-des-Bousquets. 4000 prisonniers libérés et à part quelques dizaines aussitôt assassinés, c'est l'armée de Barbecue qui se prend pour Pancho Villa. Et dans la foulée, ils ont tenté de prendre le contrôle de l'aéroport. Alors ils ont été repoussés par l'armée, mais les compagnies aériennes ont suspendu tous les vols. Fermeture de l'aéroport Toussaint Louverture. Tout un symbole. Le ministre qui assure l'intérim de Premier ministre intérimaire a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu. La frontière est bouclée et l'avenir est bouché. Ariel Henry, qui aurait dû quitter ses fonctions le mois dernier, se retrouve de facto à la retraite à l'étranger ou en exil. S'il ne démissionne pas, Barbecue a annoncé cette nuit la guerre civile et un génocide. 15 000 habitants ont déjà fui leur domicile, les autres sont barricadés dans leur quartier. Et le comble, c'est qu'hier, des commerçants ont timidement rouvert, des tap-taps ont recommencé à circuler, on s'habitue à tout, et les Haïtiens sont habitués aux gangs. Alors dire ça, c'est peu dire, parce que il faudrait décrire les guerres meurtrières, le kidnapping au coin de la rue, le viol systématique des filles, la peur qui mine les familles, la vie si précaire, la misère sur laquelle prospèrent des ONG, la corruption générale, la drogue et le vaudou qui en est une autre tout aussi infernale. Et bien sûr, 50% de malnutrition, les trois quarts des enfants qui ne vont pas à l'école. Ahurissant. L'État haïtien, Vincent, est à genoux, incapable d'organiser des élections depuis 2016. Qu'est-ce que les gangs veulent de plus ? Bien, la coalition des voyous s'appelle le Vivre Ensemble. C'est pas de l'humour noir. Vivre Ensemble, alors qu'en général, ils s'appliquent à mourir ensemble en s'entretuant. Comme ils régentent leur fief, ils prétendent qu'ils sont le peuple en armes et ils refusent de rendre des comptes à l'ONU ou à une police étrangère. C'est le triomphe de l'anarchie, considéré comme l'addition de mini-dictature. Des experts dénoncent la main des cartels mexicains derrière le vivre ensemble. Des narcotrafiquants décidés à faire d'Haïti un hub régional pour l'exportation de la drogue vers l'Europe et les États-Unis. Haïti qui a dégringolé tous les escaliers du malheur et le no man's land idéal. Plus d'État, plus de classe politique, plus d'élections depuis une décennie et plus de blancs pour prétendre
jouaient un rôle, les anciens colons et français et américains. Regarde ailleurs. Incroyable. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. L'affaire a été signalée au Bianco, un bureau indépendant qui enquête sur des faits de corruption et les signale au juge du pôle anti-corruption. Pas de commentaire. L'affaire suit son cours. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie. Il n'y a pas eu de commentaire non plus du côté de la Dirama, la compagnie nationale d'eau et d'électricité, dont l'État est le seul et unique actionnaire. 2 millions d'euros ont été détournés via un principe assez simple. Une société écran a été utilisée pour surfacturer des groupes électrogènes. Ce vol a été commis grâce à la complicité du conseil d'administration. Deux membres ont été placés sous mandat de dépôt. Il s'agit du représentant des employés régionaux et du représentant des associations de consommateurs, des personnes qui sont considérées par certains comme des petits bonnets. Les autres membres du conseil d'administration, notamment ceux qui sont issus des ministères, ont pu échapper au mandat de dépôt. Pourtant, il faut rappeler que pour un montant aussi élevé, eh bien, il faut forcément la validation du représentant du ministère des Finances qui fait partie de ce conseil d'administration. Alors, j'ai pu parler à d'anciens cadres de la Dirama qui accusent le conseil d'administration d'être corrompu. La Banque mondiale a plusieurs fois pointé du doigt la mauvaise gouvernance de la Dirama dans ses rapports. Il faut rappeler que le président de la République a promis à plusieurs reprises de mettre fin au délestage. Pourtant, la société est endettée à plus de 30 millions d'euros et n'a pas de directeur général ni de président du conseil d'administration depuis plus d'un an. Alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans les zones rurales, les femmes sont les plus touchées par le réchauffement climatique. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Une vulnérabilité qui touche également les ménages les plus pauvres, qui ont moins de ressources et d'opportunités économiques pour s'adapter. If we had another 1 degree Celsius change in the climate, it means that over time women would lose 34% more of income than men in situations in middle and low income countries where there's already a lot of stress on these households to produce enough income to feed their families and to pursue their livelihoods. Cet impact inégal du réchauffement est notamment dû au fait que les femmes passent plus de temps dans les tâches domestiques et ont, selon le rapport, moins de temps, par exemple, pour chercher d'autres sources de revenus en cas de choc climatique. Pour les ménages les plus pauvres, c'est le manque de diplômes qui, selon la FAO, les empêcherait de trouver plus facilement des emplois non agricoles. Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de pays africains qui jouent maintenant clairement la Russie contre les États-Unis. La Russie, parfois même, contre la Chine. Ça fait longtemps que ça existe. Il y a toute une partie de l'Afrique qui a été marxiste. Absolument. Sous l'influence de la Russie. Entièrement d'accord. Les Russes réinvestissent cette politique parce qu'ils n'ont pas pu se le permettre pendant 10, 12, 15 ans. Bon. Mais depuis une dizaine d'années, c'est extrêmement efficace et offensif. Mais ça sert maintenant des pays qui jouent la Russie contre l'Amérique, clairement. Mais aussi, je pense à d'autres puissances, je pense aux Émirats Arabes Unis, je pense au Qatar, qui sont des puissances régionales, on va dire, et qui là aussi jouent les uns contre les autres. C'est-à-dire, l'alignement est moins que jamais pertinent, en fait. Je crois, en fait, que ce qui fait le succès, et c'est triste, et nous devons nous attacher à refonder notre politique africaine, mais ce qui fait le succès de l'approche chinoise comme de l'approche russe, c'est une chose dont les Africains ont envie, besoin, et qu'ils nous demandent à corps et à cri depuis des décennies, c'est de la considération des politiques dites win-win, quoi, comme disent les Chinois, gagnant-gagnant, et surtout un espèce de dialogue sur un pied d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à faire. Et donc, tout le discours russe est tellement facile. Je veux dire, ils jouent sur du velours, les Russes. Ils jouent sur l'Occident est tellement néocolonial, nous proposons autre chose, etc. Mais ils ont des ambitions très, très concrètes. Ils ont des ambitions économiques, ils ont des ambitions de créer toute une chaîne de bases, par exemple, navales, terrestres, aériennes, dans toute l'Afrique. Donc, c'est très, très concret, mais ça s'appuie sur
ce retour du respect, de la considération, du dialogue, de tout ce que l'Occident, du point de vue de beaucoup d'États, pas seulement en Afrique, n'offre plus. Parce qu'il y a ce surplomb moral, cette revendication de pouvoir dire ce qu'il convient de faire politiquement, économiquement. Le processus actuel est un processus de délitement assez net. On s'est retiré des trois pays du Sahel. Et là, à vrai dire, il est question de se retirer de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Gabon, je crois, de trois autres pays africains importants. Et d'y laisser des forces embryonnaires de l'ordre d'une centaine de soldats, alors qu'on en a à peu près 350 et 950 en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment... Et de chercher avec les Américains, qui eux sont pourtant en train de renoncer à tous leurs exercices militaires avec une dizaine de pays africains en ce moment même, donc ils sont aussi dans un retrait, l'idée est d'essayer de faire des bases avec eux, de faire quelque chose avec eux. Donc pour l'instant, on est dans une phase, je dirais, très délicate et on sent bien une animosité. Comment ? Possible de retourner la tendance ou pas ? Mais c'est toujours possible, mais il faut changer d'état d'esprit, il faut changer notre discours vis-à-vis des Africains, il faut s'intéresser à leurs besoins, à leurs nécessités et je dirais à la dimension humaine de la relation. Alors que le Ramadan approche, les pourparlers de paix du Caire n'ont toujours pas débouché sur une avancée. Ces pourparlers ont été présentés comme une ultime tentative de parvenir à un cessez-le-feu de 40 jours. Le Hamas, qui affirme que les pourparlers ne peuvent se poursuivre indéfiniment, à réitérer ses conditions pour un accord, la fin de l'offensive militaire d'Israël, le retrait des forces israéliennes de Gaza et le retour des Palestiniens déplacés dans leur foyer dans la bande de Gaza. Le Hamas a également demandé aux États-Unis de cesser d'aider Israël et de lui fournir des armes. Les pourparlers de paix actuels ont débuté dimanche avec la participation de délégations du Qatar, des États-Unis et du mouvement du Hamas qui dirige la bande de Gaza. Israël reste toutefois absent de la table des négociations. Le ministère de la Santé du Hamas dénombre près d'une centaine de morts dans les bombardements de ces dernières 24 heures sur le sud de l'enclave palestinienne. Les affrontements ont lieu au moment où le Hamas rejette les conditions proposées pour une trêve dans le cadre des négociations en cours en Égypte. Les pourparlers sont menés au Caire en présence de représentants du Hamas, du Qatar et des États-Unis. Parallèlement aux négociations, des avions cargo américains ont largué sur Gaza 30 000 repas dans l'espoir de freiner la famine que les Nations Unies disent inévitable. L'accord proposé prévoit la libération d'une partie des otages encore aux mains du Hamas dans la bande de Gaza en échange de Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Le Hamas exige au préalable le retrait des soldats de Tsahal. De son côté, Israël réclame du Hamas une liste des otages encore en vie. Tsahal estime par ailleurs qu'une victoire sur le Hamas passe par une offensive terrestre majeure sur le sud de la bande de Gaza où serait retranchée une partie des combattants de l'organisation terroriste. 3 jours après les élections du 1er mars pour le Parlement et l'Assemblée des experts, le gouvernement iranien a finalement annoncé les résultats officiels. Le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a donné les résultats lors d'une conférence de presse ainsi que le taux de participation et d'autres détails concernant les élections. Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a souligné que les élections s'étaient déroulées en toute sécurité. Il a indiqué que 25 millions de personnes avaient participé aux élections avec un taux de participation de 41%. Des sources indépendantes et même certains hommes politiques estiment que le chiffre réel est nettement inférieur à ce qu'affirme le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que les votes nuls représentaient 5% du total. Lors de ces élections, un nombre considérable d'électeurs ont préféré ne pas se rendre aux urnes, se plaignant qu'aucun des candidats n'était en mesure de contribuer à l'amélioration de l'économie du pays frappé par les sanctions. D'après les résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur, 245 sièges parlementaires sur 290 ont été remportés et pour les 45 sièges restants, les candidats participeront à un second tour en avril ou en mai puisqu'ils n'ont pas obtenu 20% des voix. Les législateurs iraniens sont
est élu au suffrage direct lors des élections nationales pour un mandat de 4 ans. Dans les élections simultanées pour l'Assemblée des experts, 88 religieux ont été élus par les électeurs. L'Assemblée des experts est un organe de haut niveau qui élit et supervise les activités du dirigeant suprême de la révolution islamique. Lors des élections de l'Assemblée, le président Ebrahim Raisi a été réélu avec plus de 80% des voix dans la province du Khorasan du Sud. Les membres de l'Assemblée sont élus directement par le peuple pour un mandat de 8 ans. Toutes les candidatures doivent être examinées et confirmées par le Conseil des gardiens, composé de 12 membres, qui est un organe de supervision non élu. 6 membres sont directement nommés par le dirigeant, tandis que les 6 autres sont nommés par le chef du pouvoir judiciaire, lui-même directement nommé par le dirigeant. Difficile ce soir de comprendre ce qui s'est passé aux abords d'un autre établissement scolaire, le lycée polytechnique de Cachan, dans le Val-de-Marne. Un groupe d'une vingtaine de personnes, les visages masqués par des cagoules, a mis le feu à des poubelles et a attaqué les forces de l'ordre. Un jeune de 17 ans a été arrêté. Wilfried de Villers, vous revenez de Cachan. Est-ce qu'on sait pourquoi ces jeunes se sont rassemblés devant le lycée ce matin? Ce qui est sûr, c'est que tout partait d'une volonté de bloquer l'établissement. Un peu avant 8h, des individus cagoulés cadenassent plusieurs grilles d'accès au lycée, mais la manifestation dégénère rapidement en échauffourée. Ce que vous entendez, c'est un extrait d'une vidéo diffusée sur X. On y voit une dizaine de personnes masquées retourner un véhicule municipal au milieu de la rue. Alors qu'il se rend en cours, Niels assiste de loin aux événements. Beaucoup de poubelles qui brûlaient devant l'entrée du lycée. Il y avait une énorme foule autour de la porte. Et puis après, il y a eu énormément d'agitation. La police nationale est arrivée. Ça a commencé à lancer des débris sur la police. Des échauffourées dans un contexte tendu au sein de ce lycée. Voilà plusieurs semaines que les enseignants dénoncent l'insalubrité du bâtiment. Mais pour ce professeur, les actions violentes de la matinée ne sont pas en lien direct avec cette grogne enseignante. Je pense que cette idée de mobilisation a été reprise par des gens qui, par opportunisme, ont lancé cette idée de blocus avec des intentions violentes et dont l'appartenance au lycée n'est absolument pas prouvée. La sécurité va être renforcée aux alentours de l'établissement, annonce du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Wilfried, dans l'ouest de la France, la ville de Saintes inondée pour la 3e fois en 6 mois. Le département de Charente-Maritime est désormais en alerte orange aux crues, comme la Gironde voisine et le Pas-de-Calais. La Charente, qui continue de monter, pourrait dépasser le niveau atteint en novembre et flirter avec les 6 mètres vendredi. 200 maisons pourraient être inondées. Les habitants dépités oscillent entre angoisse et lassitude. Bonjour. Une année comme ça, non? Jamais vu. C'est la 4e en 2 ans. Donc. Pour limiter les conséquences des inondations futures, le maire de Saintes planche sur une stratégie d'aménagement. Dans cette rue, il est probable qu'il faille acheter des maisons, les écrouler, pour permettre que le fil d'eau s'évacue plus facilement. Peut-être en amont faire des retenues, je ne sais pas. Évidemment faire des bâtards d'eau, on va essayer de trouver des systèmes de bâtards d'eau efficaces. Plusieurs habitants ont déjà été contraints d'évacuer. D'autres s'arment de patience en ayant recours au système D pour atténuer au maximum les dégâts dans leur foyer. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee.